Dans cette vidéo, je vais vous donner une liste de produits à fort potentiel que vous allez pouvoir vendre sur Internet, que ça soit en Amazon FBA, que ça soit sur Shopify, que ça soit en TikTok organique, SEO, peu importe. On sait où sont les best-sellers, on sait où sont les produits qui se vendent le mieux. Il existe des listes sur les sites chinois. Je vais vous montrer comment les obtenir. Et pas que. Dans un second temps, je vais vous montrer aussi comment connaître les tendances et les prochains produits qui seront des winners pour les avoir avant tout le monde. Ces produits ne sont pas encore sur TikTok, ils ne sont pas encore sur AliExpress. Ils y seront dans quelques semaines, quelques mois. Comment les choper avant qu'ils arrivent et être eh bien, tout simplement le leader sur son marché et commencer à faire des thunes en chopant la tendance juste quand elle démarre. Vous allez voir, c'est juste énorme. Je vous explique un petit peu comment ça marche. Première chose, Amazon, les best-sellers Amazon. Amazon, c'est génial pour trouver des idées de produits. Je ne sais pas si vous l'utilisez pour trouver des idées de produits ou ne serait-ce que pour vous polariser. La méthode de la stratégie océan bleu, je ne sais pas si vous avez lu le livre. Enfin, Amazon, c'est juste une mine d'or et c'est fantastique. Mais ce qu'on ne sait pas généralement, sauf si vous êtes déjà sur Amazon FBA, mais si vous ne faites pas de l'Amazon, ce qu'on ne sait pas généralement, c'est que sur Amazon, que ce soit Amazon US, que ce soit Amazon France, il y a énormément de vendeurs chinois. Et oui, on est livré en France en un jour, et oui, on a le service, le prestige Amazon, etc. Mais derrière, ceux qui encaissent, ce sont des Chinois. Et c'est intéressant de regarder un petit peu le monde de leur côté, parce que vous allez voir comment est-ce qu'après on peut trouver du coup l'origine des produits. En fait, quand t'es un vendeur chinois qui veut vendre en Occident, t'as plusieurs choix. Soit t'achètes sur un 688 et tu revends sur eBay, tu revends sur AliExpress, tu revends sur des boutiques e-commerce en faisant de la pub, en faisant du Facebook, en faisant du media buying. Tout ça, c'est des choses qui marchent et qui permettent de faire un petit peu de cash. Mais là où les Chinois sont en train d'être de plus en plus présents et de faire du business de plus en plus gros, c'est sur Amazon. Amazon France, Amazon US, Amazon partout. Ils sont partout. Pourquoi ? Parce que si tu revends sur Amazon, c'est un peu plus chiant, mais si c'est bien fait, bah t'as le prestige de la plateforme, t'as la livraison en 24 heures, voire moins. Et tout ça, bah c'est le jackpot, parce qu'en plus, les clients ont confiance, et du coup, ils sont prêts à payer plus, et à te laisser bah, plus de marge, forcément, que si tu faisais la guerre des prix sur AliExpress ou la guerre des prix sur eBay. On en est même au point où aujourd'hui, des Chinois payent des Français pour gérer leur retour en France, pour repasser sur leur fiche produit, ou aider pour leurs commentaires. Personne ne vous parlera jamais de ça. Mais quoi qu'il en soit, revenons à nos poumons. Maintenant, on a des Chinois qui vendent des trucs qui cartonnent sur Amazon, qui ont des best-sellers. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, son fournisseur à lui, qui est aussi un Chinois sur un 688, il a un gros avantage à dire sur sa fiche produit, regardez, regardez ici, vous autres qui commandez chez moi pour revendre à l'étranger aussi, les autres Chinois là. Regardez ça, je suis le gars qui fournit un best-seller sur Amazon. Là, il profite forcément, preuve sociale, preuve d'autorité, en plus des choses que vous avez déjà vues dans l'information 1688, le nombre de ventes sur les 90-30 derniers jours, la récurrence des achats, les choses comme ça, vous connaissez. C'est tout bénef, c'est le jackpot pour lui, c'est fantastique. Parfois, il fait même un deal avec le vendeur sur Amazon, on en reparlera juste après. Donc maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est un truc facile pour les repérer facilement sur un 1688, ces vendeurs-là qui fournissent les Chinois qui vendent sur Amazon et qui ont ces fameux best-sellers. Parce que c'est un super filon pour aller choper ces produits et ensuite aller revendre sur des boutiques e-com, en magasin ou faire de l'import-export de produits qui ont déjà été validés. Les risques ont déjà été pris, on peut les importer en plus grande quantité. Du coup maintenant, comment est-ce qu'on les retrouve sur un 1688 ? Bah simplement en utilisant les mots-clés best-seller Amazon. Parce que, comme je vous le dis, ils le mettent en avant et du coup on n'a plus qu'à mettre ça dans la barre de recherche de produits sur un 1688. Je vous mets le texte à taper dans la description de cette vidéo avec d'ailleurs une petite liste d'autres mots qui vont pouvoir vous aider à faire des choses dans ce genre-là. Je peux pas vous détailler tout en vidéo, aujourd'hui on va en voir deux. Il y a tellement de choses à faire sur un 1688, c'est juste énorme quoi. Donc vous tapez ça et la bienvenue dans le paradis du e-commerçant. Même si vous commandez pas sur un 1688, vous vous retrouvez avec une liste de produits winners énormissime sur laquelle vous pouvez traquer les stats, les ventes, la récurrence. Et tout ça, ça n'a pas de prix. Faites-vous plaisir. Allez regarder ça. Si vous étiez en recherche d'idées de produits à fort potentiel à aller valider, vous êtes servi. Et comme je vous disais, c'est pas le seul mot-clé intéressant. Un autre mot-clé que j'adore, moi, c'est l'équivalent du TikTok made me buy it. Mais plutôt que faire cette recherche sur TikTok et de reprendre des produits qui ont déjà été rincés, pourquoi pas être le pionnier et être celui qui va amener les produits pour la première fois sur TikTok, mais encore une fois sans prendre trop de risques et en ayant quelque chose qui a déjà été validé ailleurs. En prenant par exemple ce qui cartonne sur le marché intérieur chinois sur Douyin. Gros avantage de Douyin, c'est que c'est un clone de TikTok en chinois. Enfin, c'est plutôt TikTok qui est un clone de Douyin. Ah bon, c'est la même maison mère, mais c'est très segmenté. Vous pouvez pas y accéder si vous n'avez pas une carte SIM chinoise dans votre téléphone. Et ça, c'est fantastique parce qu'on a une grosse barrière à l'entrée. Mais ces produits-là, on peut les découvrir quand même sur un 1688. Et ça, vous y avez accès. Donc là aussi, même chose que pour Amazon. Les fournisseurs chinois sur un 1688 qui fournissent les Chinois pour Douyin, ils mettent ça en avant sur leur fiche produit pour que les autres Chinois qui veulent vendre ça sur leur boutique e-commerce, sur leur Weidian, sur leur boutique Taobao, dans la rue, au marché, eh ben ils puissent retrouver ça facilement parce que tout le monde veut ce produit-là en ce moment. Et du coup, bah, on a l'équivalent du TikTok made me buy it, sauf que ici, c'est avec Douyin. Je vous mets encore une fois le mot-clé avec la liste des mots-clés dans la description. Et là, en fait, c'est pas juste une liste de produits avec un potentiel énormissime que vous avez, comme on avait pu voir pour Amazon. C'est même un autre monde qui s'ouvre à vous.
pouvez devenir un leader, lancer un business et réussir même avec un monoproduit. Parce que vous n'êtes plus un suiveur, vous n'êtes plus en train de refaire des trucs qui ont marché, machin chose qu'on a récupéré, qu'on essaye de refaire, un truc Amazon qu'on va refaire par ici, un truc TikTok qu'on va essayer de pousser comme ça. Vous pouvez arriver, encaisser à mort et les concurrents, ils voient rien venir. Donc je te mets ça en dessous avec une autre liste de 10 mots comme ça. Je te laisse imaginer le potentiel pour faire exploser ton business cette année. Espérons que ça te plaise, ce genre de vidéo, si t'aimes bien, laisse un like, laisse un commentaire, machin et tout. Dans tous les cas, c'est gratuit, c'est cadeau. Et c'est ma façon de vous remercier pour tous ceux qui ont rejoint la formation achetée sur un 688. Ça a été de la folie. C'est un truc énorme, mais il n'y a pas plus motivant pour moi que de vous voir passer à l'action, encaisser des euros, donc fallait que je vous fasse un petit bonus en plus. Allez, je vous laisse regarder tout ça, pas plus de blabla, à très vite pour une autre vidéo.